Mes chers camarades, bien le bonjour. Vous êtes nombreux à avoir suivi ma série de vidéos dans le Loir-et-Cher. Une série qui aura pris plusieurs mois pour être réalisée et préparée. Les tournages sont musclés, les journées longues, et forcément il faut entretenir une certaine bonne humeur pour tout réussir dans de bonnes conditions. C'est pourquoi je vous propose un petit bêtisier de quelques moments de détente avec Tom, le cadreur de l'émission, et Ronan, alias Real Myope, en ingénieur du son. Petite précision pour les rageux, hein, les blagues de merde, c'est moi qui lui ai demandé de les faire, et le moins qu'on puisse dire, bah, c'est qu'il est fort là-dedans. Hein. T'étais pas obligé de répondre, Ronan. Ah bah si. J'ai beaucoup de textes. Beaucoup. Non mais moi je l'ai vu tout de suite que c'était pas d'époque. Mais je veux pas vexer Ben. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis encore ? Rien. Chemin des chanoines. Ça me rappelle moi aussi. Mais plutôt les états qui la composent. Il radote un peu, non ? Oui, j'avais reparlé dans un truc... Un épisode très musclé. Et c'est pas peu de le dire. Ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est également nos méthodes de tournage professionnelles. Ici, par exemple, on laisse des messages au monteur pour qu'il sache où nous en sommes, et nous ajoutons parfois quelques précisions. Alors là, c'est un plan face caméra où je lis un peu le texte. Après le prince de Naples, Louis d'Aragon, blablabla, on tempère un peu les propos, donc on change un petit peu la face caméra par rapport au script. J'irai de voir si je peux changer ça dans le fichier que je te transmettrai. On fait clap. Un petit clap. Attends, parce que derrière, on l'a pas. Voilà. Ça tourne au son. C'est le raccord, la suite du raccord. La suite du raccord, Romorantin Chambord. Raccord, raccord. On en veut encore. Pour cette série, j'ai choisi d'ajouter une interaction avec les techniciens, en particulier avec Ronan. Tous les plans sont donc filmés deux fois, et quand la caméra tourne sur eux, moi je donne la réplique de manière tout à fait sérieuse. Et c'est la merde. Hein ? Non, je donne la réplique. Ah oui, d'accord. Attends, c'est pas clair là. À quoi l'onde ? C'est quoi un champ blanc ? Saucisse merguez pizza. Ah ouais, c'est beaucoup plus clair, merci. Bon, et c'est la merde. Je fais une Benoît Magimel. Pas de bol. Et on passe d'un lieu à l'autre et... C'est sidérant. Tu trouves pas ça sidérant? J'acquiesce ou je... plutôt non? Genre je pense que t'en as marre. Comme t'as envie. Quand on a fini de tourner mes passages face caméra, on enchaîne sur les plans de coupe. Alors parfois ça se fait avec moi, parfois sans. Dans tous les cas, c'est aussi une bonne occasion de s'amuser. Vas-y, je sors du champ. Oui, comme ça, exactement. J'essaye de faire croire que c'est Ben. Je sais pas si ça marche. J'adore Thierry Lafonde. On a quelques moments de douceur. Le château de Talcy. Et quelques moments de craquage. Ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette série et merci à tous les techniciens qui ont bossé sur ce gros projet de l'année 2018. Ainsi que tout le staff du Loir-et-Cher, toutes les personnes qui nous ont reçus sur chaque site et qui ont été non seulement admirables mais aussi passionnantes. Merci enfin à vous qui regardez, hein, c'est encore et toujours grâce à vous parce que vous êtes là que ces reportages sont possibles et ça me fait le plus grand bien de réaliser de beaux projets comme celui-là. Merci à tous, bel été et à bientôt sur la chaîne.